Retour de course. Alors, pour cette semaine, j'ai pris des poivrons, de la rillette, des salades, des petites tomates cerises, de la pomme, des pâtes pour ce midi, des oignons, ciboulettes et ail, des petits œufs de caille, du jambon, un talon de jambon parce qu'on va faire des croquettes cet après-midi, ça va être trop chouette, du fromage, des poires pour faire de la compote, des aubergines, des courgettes, ah ça chouette, vous connaissez, c'est des kiwis, c'est des mini kiwis comme ça, et c'est trop bon, c'est hyper sucré, c'est délicieux. Du raisin, des saucisses, de la patate douce, de la tomate, un chou-fleur, des pommes de terre, carottes et radis. Voilà, on a pris pas mal de choses. Alors que la session cuisine commence. Ici, j'ai fait cuire deux œufs durs pour les croquettas que je vais faire maintenant parce qu'il faut les laisser reposer une heure minimum avant de les frire. Et ici, c'est des pois chiches pour le houmous de ce soir. Je t'ai même pas dit pourquoi je faisais tout ça. J'ai des amis qui viennent ce soir et du coup, on fait un apéritif dînatoire. Les pois chiches ont fini de cuire et maintenant bah, je vais faire le houmous. J'ai pris une nouvelle recette sur internet, donc si elle est bonne, je te la mettrai en barre d'informations. Du coup, j'ai fait la pâte des croquettas. Maintenant, je les laisse reposer et je m'en occuperai cet après-midi. Et le houmous qui a l'air délicieux. J'ai trop hâte qu'il soit frais pour le goûter. Trop contente, j'ai reçu un bouquet de roses de la part de Nico. Trop beau. J'ai commencé à mettre en place les trucs pour l'apéro dînatoire de ce soir. Du coup là j'ai fait des roulés au chorizo, là-bas c'est des croquettas, là c'est du jambon qu'on a ramené d'Espagne à Noël, pas du tout, pendant les vacances. Ici c'est des petites crudités, du comté, des petits œufs de caille, j'adore les petits œufs de caille. Ici c'est du pérail, c'est un fromage des brebis si je ne dis pas de bêtises, et à côté c'est des kiwis, du pain et à nouveau des croquettas, et il y aura d'autres trucs mais ils sont au frais. Hello, on est dimanche et vu que hier j'ai l'impression en fait de ne pas avoir beaucoup filmé, je me suis dit que j'allais filmer sur deux jours. Du coup, on commence avec la nouvelle petite feuille de Montserrat. C'est trop marrant, elle commence, elles sont toutes vertes claires comme ça et après elles finissent énormes comme celle-ci. Du coup, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir la taille qu'elle va avoir. Ce matin, avant de faire quoi que ce soit, il faut que je réponde à quelques mails, donc je vais faire ça tout de suite, comme ça je vais être débarrassée et je pourrai commencer la journée et faire ce que je souhaite par la suite. Il nous reste plein de restes d'hier, du coup j'ai convié d'autres amis à venir manger ce midi pour nous aider à finir. Mais je voulais faire un plateau de fromage, du coup là je pars chez Lidl pour acheter du fromage et j'espère trouver du pain et peut-être des desserts. Thank you.
j'ai trouvé la place de la nouvelle plante. Du coup, elle est ici, trop belle. Et celle qui était ici, elle est ici par terre. Du coup, ça donne un coin avec plein de plantes juste à côté de la bibliothèque. Trop beau. Et quand on est assis sur le canapé, ça rend trop sympa. Il est 19h, 18h58 pour être exact. Je sors de ma douche et je vais commencer à faire le montage de la vidéo de mercredi. Je n'ai toujours pas commencé, il va falloir que je m'y mette. Du coup, montage devant How I Met Your Mother. Ce soir, on mange encore les restes de l'énorme apéro que j'ai fait. Du coup, j'ai fait une petite assiette comme ça avec plein de restes. Ça, c'est du houmous, meilleur houmous que j'ai fait, trop bon. Devant How I Met Your Mother. Bon appétit! C'est trop chouette d'avoir plein de plantes, mais il faut les arroser. Du coup, ce soir, c'est arrosage. Donc, c'est parti. Thank you.